Bonjour à tous et à tous. Ouais, je suis un peu en retard parce que j'ai regardé la météo, c'est pas fameux, hein. Demain de la pluie, jeudi sec, vendredi de la pluie, samedi de la pluie, dimanche de la pluie et lundi de la pluie pour toute la Belgique. Les températures ne dépasseront pas les 19 degrés. À l'ombre, hein. Ah ouais. Mais comme il n'y aura que de la pluie, ben, il n'y aura que de l'ombre. Donc voilà. Donc il ne fera que 19. Donc voilà. Le week-end, c'était à chier. Et ben, maintenant le long week-end qui va arriver, c'est pareil. Avec le climat, en moins, avec le temps, en moins. Votre faute d'omni. Mais ça devient grave avec la météo. La nature, là. Elle ne fait des caprices, hein. Maman Fanny. Et voici une nouvelle pièce de théâtre. Rien. Et ça va s'appeler Bienvenue à l'hôtel. Rien. Ah, téléphone sonne. Allô, oui, madame? Ah, oui, c'est pour le déjeuner. Oui. Des quoi? Je n'ai pas. Pas vu pendant du. Non, désolé. Au revoir, madame. C'est parce qu'il y avait comme déjeuner, mais bon, c'est pas grave. Allô, allô? Oui? Vous voulez... Ah, désolé, madame. Nous avons plus de moutons, mais nous avons de la chèvre, si vous voulez. Ça vous va? Oui? Tant mieux. Allô, allô? Oui? Oui, madame? Ah, vous voulez des cornflakes? Ah, désolé, madame, mais nous avons plus de lait. La vache, elle est vide. Ah oui. Ah, de lait en poudre, ça, on n'en a plus non plus. Ah non, on a vendu la vache en poudre. Enfin, la vache faisait de lait en poudre pour un mariage. Comme ils avaient plus de riz pour lancer sur la mariée et le marié, ils ont préféré prendre du lait en poudre à la place. Ah donc voilà. Ah ben ouais, madame. Mais c'est comme ça, madame. Ah ben oui madame. Ah ben ça c'est sûr madame. Oui madame. Au revoir. Bon. Ah, ça ressort de nouveau. Oui. Oui. C'est pour le déjeuner. Oui. Vous voulez quoi des crêpes Bulmunt? Je connais pas. Vous vous appelez comment? P-K-I-O-R. Je connais pas. Désolé madame. Au revoir. Ah. Oui, vous voulez quoi comme pour déjeuner, monsieur? Vous voulez des tartines au chocolat? Il n'y a pas de problème. Hein? Au revoir, madame. Attends, monsieur. Ah là 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 là. Ah, ça ressemble. Oui. Oui, monsieur. Non, oui, madame. Vous voulez quoi comme déjeuner? Des biscottes. Il n'y a pas de problème, hein, madame. Au revoir, madame. Bonjour, monsieur. Vous avez réservé? Oui. Pour une nuit. Oui. Alors, nous avons des chambres. Oui. Mais il n'y a pas de lit. Hein, il faut pensionner avec. Ah, si vous voulez louer des lits, il y a moyen. Oui. Mais ça fera plus cher. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est pour demain dans notre grenier. Voilà. Ah oui, la clé qu'on a place pour mettre les lits, monsieur. Ah oui, dans les chambres, c'est pour dormir debout. Ah oui, parce que les murs sont comme ça. Vous avez 100 d'espace. 100 d'espace, c'est très haut, hein. Donc, on se met un homme debout, même quelqu'un de très très grand debout, mais pas allongé. Ah non, hein. Il y a la place pour tenir un homme debout, mais pas allongé. Ah, c'est comme ça dans toutes les chambres. Ah, oui, hein. Vous voulez quand même prendre une chambre? Il faudra demeurer debout, hein. C'est pas grave. Vous avez l'habitude.
Bon. Alors, voilà la clé. C'est tout droit à gauche où vous y êtes. Attendez, parce que les clients ici sont toujours pressés. Hein. Allô, allô, oui. Oui, monsieur. Oui. Ah, vous voulez pas déjeuner. Vous voulez directement passer au grand. Vous voulez pas de petit déjeuner, mais vous voulez passer directement au déjeuner. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, oui. Mais monsieur, non, pour deux personnes, non, c'est pour vous et votre femme. Hein. Donc vous allez prendre du canard laqué et vous allez prendre du canard à l'orange. Il n'y a pas de problème. Au revoir, madame. Ah, ça ressonne. Oui. Ah, c'est pour louer une chambre pour demain. Le mieux, c'est de venir demain. Ah, vous voulez la louer aujourd'hui, pas certain qu'elle sera libre pour demain. Mais vous savez, dans les chambres, on dort debout, hein. Ah, vous voulez un lit? Alors il faudra louer le grenier, parce qu'il n'y a que là qu'il y a les lits. Vous voulez louer le grenier? Oui. Pour une semaine. Vous avez bien fait, hein. Se dormir debout pour une semaine, ça va être long, hein. Donc vous avez bien fait de louer le grenier. Ah ouais, parce que dans les chambres, c'est pour dormir debout. Ah ouais, hein? Oui. Ah, mais vous avez fait le bon choix. Hein? À quel nom? Attendez, je vais écrire. Oui. D'accord. Voilà, c'est noté. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Alors, regardez. On est connus, hein? Oh, yoyoyoy. Ah, ça ressonne. Allô, allô? Oui. Ah oui, hein? Oui. 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 Ah, c'est pour le déjeuner. Ah, vous avez commandé le déjeuner, il y a presque une demi-heure et vous ne l'avez pas encore reçu. Attendez, je vais me renseigner. Albert! Oui, quelle chambre? La chambre 12. La chambre 12, elle n'a pas reçu son déjeuner. Elle son petit déjeuner. Oh, mais réveille-toi un peu. Hein. Bon. Voilà, il va arriver. Voilà, au revoir, madame. Ah, ça ressonne de nouveau. Allô, allô? Oui. Ah, c'est pour louer. Une chambre et le grenier. Oui. Alors, la chambre, c'est pour dormir debout, hein. C'est pour un jour, c'est parfait. Et le grenier, c'est pour une semaine, c'est parfait. Alors, la chambre, à quel nom? Pour dormir debout. Ah, oh, mais c'est la chambre, on dort debout, hein. Oui. Et à quel nom pour le grenier? Pour les lits? Oui. D'accord, au revoir. Ouais, voilà. Ah, ça ressonne de nouveau. Allô, allô? Oui. C'est pour le déjeuner. Le petit déjeuner. Ah, vous ne prenez pas le petit déjeuner ni le déjeuner. Vous voulez déjà passer au dîner. Il n'y a pas de problème, hein. Ah, vous voulez prendre le plat du jour? Il n'y a pas de problème. Hein. Le plat du jour aujourd'hui, c'est de la sauter au sauté. Voilà. Au revoir, madame. Bon. Allez, 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 on continue. C'est pas fini. Ça ressonne de nouveau. Allô, allô, allô. Oui. Oui. Ah, vous voulez pour le déjeuner, le petit déjeuner? Il n'y a pas de problème. Hein. Oui, pour la 12, pour la 5. Oui, au revoir. Ah, ça ressemble. Oui, ah, vous êtes le numéro, la chambre 8. Ah oui, et vous n'avez toujours pas reçu vos biscottes. Vous arrêtez pas, je vais. Bon, les gars, avant de vous réveiller, il y a la 8 qui n'a pas reçu ses biscottes. Je vais recevoir un message pour dire qu'il y a 9. N'a pas reçu ses tartines à la confiture. Et l'autre n'a pas reçu son
c'est comme flex au cacao, au café. Alors, hein, bon. Ah, mais travaillez, les gars. Faut pas dormir, hein, dormir, c'est la nuit, hein. Bon. Et voilà, la pièce est terminée pour aujourd'hui. La suite, c'est pour demain. Et maintenant, voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Allez, belle maman. Venez, venez, belle maman. Venez, venez. Voilà. On vous voit sur les deux appareils. Oui, tant mieux. Voilà. Voilà. Attendez que ça sonne, hein. Allô? Oui, c'est maman. Mais Raoul? Oui. Vous revenez, hein, le 31. Oui, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt, hein. Ah oui, hein. On est déjà le 19, 18, hein. Ah ouais, et vous, c'est le 31. Ah oui, hein. Mais je reste. Donc, je ne vais compter pour vous. Treize jours si on compte le 31 et 12 jours si on compte pas le 31. Attendez, 13 jours si on compte le 31 et 12 jours si on compte pas le 31. Voilà, oui, au revoir. Ah non, je veux pas un papy, oui, pas problème. Le papy de... Oh, de non, le papy des deux Raoul, hein. Voilà. Un bel moment. Ah oui, hein. Alors, Raoul, rien de spécial, il faut le dire eux-mêmes, hein. Ouais. Vous avez raison, hein. Ils rament. Non, ils sont sur une île. Et l'île comment? L'île perdue. Nouvelle île perdue. Ouais, mais la zone verte. Ah ouais. Mais elle est loin de la Belgique, de la Suisse. Non. Elle est tout près de la Belgique, de la Suisse. Hein. Ça va, alors. Allô? Oui, le papa dit qu'il est très content. Il dit que vous n'avez pas vous pas dans l'île perdue. Ah, vous n'êtes pas perdu. Non. Vous restez les uns à côté des autres. Ah, vous donnez la main. C'est bien ça. Moi, comme ça, vous êtes sûr de pas vous perdre. Ah, s'il y en a un qui est perdu, vous serez tous perdus parce que vous. Voilà. Ah ouais? Mais elle est bien en zone verte, hein. L'île perdue. Elle est tout près de la Suisse. Ah, c'est là que vous avez, ah, c'est là, par là, vous avez commencé quand vous avez démarré votre tour du monde. Oui, je m'en souviens de ça. Oui. Elle est à 1 heure de la Suisse. Mais là, maintenant, il faudra peut-être que vous vous calmez, hein, les gars, parce que vous rendez que le 31, hein. Ça met le turbo, hein. On sera pas le 31 dans 1 heure, hein. Bon. Mais entre 13 entre 13 et 12 jours seulement. Ah bon? On sera que le 31 mai. Il y a un Raoul? Il y a. Il y a. Il y a. Et ya. Ah, vous allez rester à l'île perdue jusqu'au 31. Non, jusqu'au 29. Non, jusqu'au 30. Et au 30, vous allez commencer à ramer. Mais ça ne sert à rien, vous revenez le 31. Moi, moi, je serais vous. Je partirai de là le 31. Et vous êtes allé quoi? Une heure. Oui. Une heure en kayak. Ah, 1 heure en avion, mais en kayak, combien? 2 heures. Ouais. Alors, le mieux, c'est de partir en kayak le soir, le 30 au soir, vers minuit. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'arriver en Suisse. Le matin, hein? Ah, vous pouvez arriver l'après-midi. Ouais. Ah, ben, si vous partez, à quelle heure vous partez? À 10 heures du matin. Et vous mettez 2 heures, on n'est pas l'après-midi, hein, Raoul. 10 plus 2, ça, ah si, 13. Si, 13.
Ça fait Thérèse, 13. Aïe, ya. Aouin, ya. Aouin, 10, plus 2, 10. Attends. 10 plus 2, ça fait 11, 12. Ah non, 12. Ça fait 12, Raoul, à 12 heures. On sera en Suisse. Et vous voulez. Ah, vous voulez être là pour 14 heures. Mais pas de problème, Raoul. À 14 heures. Ah, vous pouvez d'abord téléphoner. Oui. Oui. Pour pas. Oui, ça je sais, Raoul. Oui. Ah, mais c'est normal, hein, Raoul. Oui. Ah non, mais il le faut, hein, Raoul. C'est important dans la vie. Oui. Ah, mais c'est sûr, hein, Raoul. Il le faut, hein. Oui. Oui. Ah oui, hein, Raoul. Il le faut, hein. Oui. Ah oui, hein. Il y a. Aïe, y'a. Y'a. Aïe. Y'a. 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 Aïe. Y'a. Aïe, Raoul. Y'a. Y'a. Ah, Roseline, elle veut pas là son papy. Il n'y a pas de problème. Je le passe. Le papy de Roseline. Alors, ma chérie, ouais, ça va? Ouais, on s'enlève? Ouais, tant mieux. Ouais, il est fou. Oh, c'est sûr, ma chérie. Oui, tant mieux. Oui. Ah ouais, ma chérie, oui. Ah ouais, le four, ah ouais, oui. Ah bon? Oui. Ah ça c'est sûr, ma chérie, oui. Ah mais ouais, au moins, voilà, oui. Ah, Roselyne, Jean-Jean et Jean-Philippe Bénégras veulent parler. Alors, papy, il n'y a pas de problème, hein. Le papy de Jean-Jean de Jean-Philippe Nicolas. Oh, ça va, je m'amuse aussi, hein. Ouais. Oh, mais ouais. Ouais. Allez, au revoir. Voilà. Oui. Ah. Raoul, avec le H, il veut parler à sa femme. Il n'y a pas de problème. Allez, ben maman, vous allez jouer le rôle de Tintin, donc la femme de Raoul avec le H. Oh non, mon chéri, ouais, au revoir, il est fort, hein. Oh là là, oh, c'est sûr, hein. Oh mais oui, hein. Oh, c'est sûr, je l'ai déjà dit, mon chéri. Oh mais oui, hein. Ah, mais il est fort, hein. Oui. Ah, c'est sûr, hein. Oui. Mais non, mais non, mais non. Oui. Ah oui, Raoul. Oui. Ah oui, Raoul, oui, mais oui, mais oui, mais oui, oui, ah oui, Raoul, oui, ah oui, Raoul, oui, ah oui, Raoul, oui. Oui, ah oui, hein, il le faut, Raoul. Oui, ah oui, hein. Oui, ah oui, hein, Raoul, il le faut, hein. Oui, ah oui, hein. Ah oui, il le faut, hein, Raoul. Oui, ah oui, hein. Au revoir. Voilà. Oui. Ah oui, hein? Oui. Ah mais le faux, hein? Oui. Ah bah c'est comme ça. Oui. Ah oui, hein? Y'a.
Aïe, oui. Ah oui, les gars. Ah, vous voulez parler au papy de Jeannette et de Tintin? Il n'y a pas de problème, je le passe. Enfin, je vous le passe. Allô, oui, gars. Voilà, comment ça va? Les voyants. Oh là là, dit. Ah, mes voyants. Oh, ça c'est sûr, hein? Oh, mais moi, hein? Allez, oui, attends, mieux, hein? Voilà, oui. Ah oui, Raoul, il le faut, hein? Il y a. Ah, il y a la frite, il y a. Ah, mais le faut, hein, la frite, il y a. Aïe, meia, ah ouais, Raoul, il le faut, hein, à sa blift, hein, il y a, allez, au revoir, voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Au revoir, hein, ouais, voilà, c'est fini. Voilà. En tout cas, tout va bien. Ils sont en train de ramener. Non, ils sont en île perdue, mais vous inquiétez pas. Hein. Comme ils sont en zone verte, là, ils ne risquent rien. Tout le monde s'en donne la main. C'est là qui est perdu. Il entend tout le monde derrière lui. Donc, vous voyez, hein. Bon. Donc là, et là, ils vont rester jusqu'au 31. Ouais. On va passer 1 heure, hein, 2 heures en kayak. Et 1 heure en bateau. Non. 2 heures en kayak, une demi-heure en bateau. Non, je tombe. Ah, c'est pas possible, ça. Attends, je vais le rappeler. Raoul, oui. C'est pas possible, ça. En bateau, combien de temps vous mettez? 3 heures. Bon. Et en avion, 1 heure. Donc en kayak, comme c'est plus petit, 5 heures. Ah ouais. 5 heures. Le mieux, l'autre, c'est de pas. Si vous voulez être là à 2 heures, 5 heures, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, parfait. Faut partir de 5 heures. Ah ouais. Ah non. 5 plus 5 égale 10. Non, ça va pas. Vous partez à 10 h, donc 11, 12, 13, 14, non, ça va pas. Attendez, hein. 9 h, 10, 11, 12, 13, non, ça va pas. À 8 h, 9, 10, 11, 12, 13, 14, non, ça va pas. Ça dit combien? 5 h. Ah, mais si, ça va. C'est parfait, attendez, hein. Donc 10, 11, 12, 13, 14. C'est parfait. Vous partez à 10 h et vous êtes à 14 h en Suisse. Mais vous promenez avant d'arriver, hein, le 31. Oui, allez, au revoir. Hein? 1 h en avion, 3 h en bateau et 5 h en kayak. Hein? Et 8 h en pédalo. Hein? Et 12 et 3 jours à la nage. Ouais. Voilà. Bon. Et maintenant, un bonus. Mais maman, vous pouvez rester parce que les invités sont en vacances. Enfin, non, mais ils sont en train pour le concert. Ils doivent vous aussi, mais bon. Hein. Mais un bonus quand même. Hein. Ouais. Bon. Allez. Hein. C'est l'histoire de Didier et de sa femme Véronique. Et il y a Véronique dit, viens, voilà en France, à Paris. Il y a un truc qui a pas chez nous en Belgique, qui est là-bas en France, à Paris. Je sais pas. Le musée Crevin. Ah oui, je le connais. Donc ils y vont, hein. Hein, ils y vont.
Et là, il tombe sur... Ah oui, ça se passe en 2000, en 2021. Donc, cette année-ci. Ah oui. Mais il met le masque, hein, comme le masque est obligatoire. Hein. Ah non, pas le même, t'as confirmé. Non, ça se passe en 2019. Voilà, c'est ça. En 2019, c'est ça. Ils y vont, hein, puis voilà. Et là, ils tombent tous des Belges connus. Comme le roi Albert, Albert I, Albert II, Baudouin, et patati patata. Mais des gens, des tastus, hein. Il y a des statues des rois qui sont plus là, puis il y a des statues de gens qui sont encore, des rois qui sont encore là. Voyant. Il y a même des statues des acteurs hein, qui sont pas là, qui sont plus là, mais, et puis il y en a qui sont. Puis des statues en cire, d'acteurs qui sont vivants et des acteurs en cire, pour ceux qui sont plus là, pareil pour les rois, en moins. En moins. Mais là, la femme. De mon ami là, elle dit, mon chéri, oui. Et si on prenait le roi avec, hein? Ouais, pas le vrai roi, le roi en cire, hein? Ouais, pas de problème, hein? Mais comme il était en short, ça s'est passé inconnu, hein? À moi, alors en voiture, on roulait à 30, non? On était sur l'autoroute, normalement c'est 120, et on roulait à 30. Tout le monde klaxonnait, tout, et il nous dépassait. Et comme il y avait le roi, avec la main, on faisait comme ça. Et donc, jamais vu, c'est la première fois qu'ils voient le roi dans une touche de chevaux. Un moins. Et puis d'un coup, il me faisait chaud à ce jour-là. Et puis d'un coup, oh, le roi est thrombose. Alors on remet la tête droite, hein. Voilà. En moins. Puis, arrivé à la maison, je dis, bon, je vais me mettre dans la cave, hein. Il va me servir comme valet de. Hein? Bon. Et là, il y a une trappelle qui sort dans la porte. Mais moi, j'étais occupé à faire le manger. Enfin, sa femme, hein, de mon copain. Alors, elle dit, vous connaissez le chemin, hein? Oui. Bon. On a entendu un cri. Est-ce qu'il s'est électrocuté en regardant les contours des plombs et ceux de l'électricité? Non, c'était pas ça. Il a crié, le roi là, le roi là! Mais non, c'est son valet. Hein? Le lendemain, on avait les témoins de Jéhovah. Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur, du royaume. Du royaume. Albert, il y a des gens pour toi. Depuis là, ils ne sont plus jamais revenus. Hein? Et elle travaille non plus. Non, on a testé les gaz gratuits maintenant. Ah ben, il croit que le roi est là chez nous, le vrai. Enfin, c'est pas le vrai, hein? Non. Non, ouais. Alors, il y avait un cambrioleur. Ouais. Quand il a vu le roi, il s'est enfoui. Il a dit, je suis en train de cambrioler chez le roi, là. Je me fais attraper partout la compagnie, là, et c'est enfin hein. Depuis lors, on n'a plus jamais eu un cambrioleur. Ah non, on a fait une photo du roi. On la marche là. Tu mets la photo du roi à ta fenêtre. Tu mets, je surveille la maison. Il n'y a pas un voleur qui rentre chez toi. Hein. Ah non. Ah non. Par contre, il faut faire attention aux journalistes. Ça oui. Mais bon. Mais aussi, et au paradis. Mais sinon, que t'es volo, t'as aucun volo qui rentre chez toi, hein. Ah, ouais.
Parce que moi, je réponds, c'est bien, on a pour le roi, mais non, on a le gaz, c'est gratuit. On a l'eau gratuite. On a la télévision gratuite. On a plus de voleurs. On a plus de cambrioleurs, c'est bien. Et nous avons le fameux roi qui vient gratuitement. Et un monsieur qui vient nous apporter nos courses gratuitement. Ah ouais, je sais pas qui vend le roi à la cave, puis quoi qu'il c'est le vrai, alors ils disent non, c'est gratuit pour vous. Hein? Ils ont jamais vu le roi dans une cité, hein? Ah ben non. Non. Ben ouais. Le roi, il vit dans un château, hein? Bon. Voilà. C'est fini. Enfin, le truc, hein. Et maintenant, c'est ma maman qui va rester à côté de vous, avec Milou. Voilà. Milou, les deux amoureux, me dis pas prenez. Non. Alors, belle maman, vous êtes presque prêt pour le grand moment, le grand spectacle qui aura lieu en 2022. Ouais. Sur les 100, non, sur les 300, sur les 4, combien? Attends. Je sais plus, je prends les 600. Sur les 800. Ah bah oui, ça sur les 800, il n'y a plus que 30 qui sont pas encore prêts. 30, ouais. Ça diminue, hein. Ouais, ça diminue. Il n'y a plus que 30 qui sont pas encore prêts. 30, ouais. Sur les 900. Mais bon, c'est pas même 900 dans le fauteuil non plus, hein. Non, ça je sais. Ah bon. À moins que vous chantez chacun à votre tour. Ouais, on va faire ça, c'est mieux. Ah ouais, hein. Il faudra. Pour le bras. Ah ouais, hein. C'est comme ça. Ah ouais, hein. C'est la vie, hein. Annex, c'est la vie. C'est comme ça, à moi. Ah ouais, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça. Mais c'est bien, un ex c'est bien. C'est merveilleux. Ah ouais, le four. Quoi, des merveilleux? Non, c'est bien. Ah oui. Ah ouais, il le faut. Il y en a qui le faut. C'est important dans la vie. Ah ouais, c'est important. Hein. Et puis c'est comme ça. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, hein. Il le faut. Hein. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Non, vous êtes presque prêt pour 2022. Ouais, c'est bien ça. Ah ouais, hein. Il le faut, un nez qu'il le faut. C'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça, vous avez raison.
Mais c'est leur vie, hein. En vrai, c'est leur vie. C'est génial, hein. En vrai, c'est génial. Ouais, il le faut, hein. En vrai, il le faut. Mais c'est bien, on voit que c'est bien. C'est même magnifique, hein. On dirait que c'est magnifique. C'est même génial, hein. Ah ouais, hein. Comme un poisson dans l'eau, hein. On est, hein. Mais il le faut, hein. On dirait qu'il le faut. C'est bien, hein? Ah ouais, c'est magnifique. Et à part ça, oui, la routine, comme d'habitude, mais la moyenne, oui, la moyenne, hein? Oui, hein? Ah, vous avez raison, hein? Il faut, hein? La moyenne routine, ah ouais, hein? Ah, mais c'est comme ça, hein? Un ex, c'est comme ça. Ah, mais c'est bien. Un ex, c'est bien. Ah, mais il le faut, hein. Un ex, il le faut. C'est important, hein. Un ex, c'est important. Mais tant mieux pour vous, hein. Ah, ouais, tant mieux pour nous, hein. C'est la vie, hein. Un ex, c'est la vie. C'est comme ça, hein? Ah ouais. C'est comme ça. Il le faut, hein? Un ex, il le faut. Alors, vous voyez quoi? Qui a gagné le 20? Entre gang et entre punt. Gang, vous avez raison. Qui va gagner entre Anderlecht et Bruges? Bruges, non, il faut Chandelas qui gagne. Il faut qu'Anderlecht essaie quand même d'être deuxième au classement. Hein. Ils ne sont déjà pas promus au classement, ils ne vont jamais être promus au classement. Ils doivent quand même faire un effort pour être deuxième au classement. Hein. Et oh. Ah, moi, j'avais raison. Hein. C'était à 21h. Anderlecht contre Bruges à 21h. Et à 18h30, Genk contre Antwerp. Ah ouais, et tout ça à la radio. Ah ouais, sur Vivacité. Ah ouais. Et sur Rebecca Campus. Ah ouais. Je sais pas si les gens peuvent aller voir les matchs. En tout cas, si c'est le cas, c'est que 30 seulement. 30 personnes. Ouais, ça va, hein. Ah ouais, hein? C'est comme en septembre, octobre que les gens pourraient être plus nombreux. Et ça c'est la FIFA qui le décide. Ah là, ouais, la FIFA. La UEFA qui le décide demain. Ah ouais, hein? Non, pas la FIFA. La Champions Link qui décidera. Non. La Jupiler Link qui décidera. De toute façon, ils travaillent la UEFA, avec la FIFA, avec la UEFA. Ils travaillent la main, enfin, pas la main à la main, mais ils travaillent tous ensemble. Ah ouais? Ah, mais le fond. Ah ouais, on a qu'il le faut. C'est important. On a que c'est important. Ah ouais. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà. Et voilà, on se retrouve demain, j'essaie d'être là à 22h, parce que j'ai déjà metté, mais bon. On se retrouve demain à 22h, à demain à 22h, au revoir, à demain.